4, mais principalement 4 domine l'actualité. Avec le grand point 4 domine l'actualité, Israël a attaqué l'Iran malgré les États-Unis avec l'autre pays, membre de la communauté internationale, a demandé le garder calme. Sélection membre jury procès ancien président Donald Trump l'a complété vendredi 19 avril dans Manhattan, dans New York. Et puis en Haïti, 7 personnes mourent pour Pipiti dans une commune tout près de la capitale de Port-au-Prince. Après, les armées ont attaqué 2 postes de police côté libérés prisonniers. Dans le moment, le pays a attendu l'installation du conseil présidentiel transition. Cap bien pour choisir un nouveau premier ministre. Bonjour à tout le monde, madame Manakile qui côté ou attendre édition La Voix de l'Amérique ça que nous voter pour aujourd'hui. Parmi quelques autres grands points n'a bien pour nous après édition La Voix de l'Amérique ça n'a fait connaître Organisation Mondiale Santé qui c'est OMS yo même yo fait connaître que hier vendredi là qui était 19 avril 2024 là que yo détecté et bien dans l'aide bœuf dans pays États-Unis yon virus qui bay grippe qui donc bagaille compliqué dans pays ici là. De l'autre côté, autorité dominicaine yo arrêté 72 migrants haïtiens sans papier Elias Pina République dominicaine. Elon Musk lui-même qui c'est un sud africain canadien et puis américain et bien qui se met tout compte qui les Twitter et bien il fait connait pourquoi il est là lui-même hier vendredi 19 avril 2024 là TikTok pas doué interdit dans pays les États-Unis pendant ça pays la Chine lui-même yo interdit pour WhatsApp utiliser dans pays ça yo côté yo prend décision ça hier 19 avril 2024 là et bien sous apps yo parler de interdiction Telegram tout et bien qui fait partie application que eux même yo pas d'accord pour peuple chinois utiliser d'après information et bien cap circuler la conseil présidentiel la lita supposé installer dans palais national semaine cap venir là malgré conseil ici là toujours a parler mais en rien pas chambre fait dans ça qui gain pour avec conseil présidentiel qui ta doué prendre tête pays d'Haïti et l'autre côté pays G7 eux même yo font chita parler sous situation pays d'Haïti après ça plusieurs l'autre n'a pour dans édition La Voix de l'Amérique ça mais pas oublier qui te un like partager avec vos amis La Voix de l'Amérique n'a tourner pour détail. Effectivement, nous saluons, nous remercions de vous brancher sur nous. Comme d'habitude, vous avez passé une semaine avec nous. Nous déjà souhaitons vous passer un bon week-end. Nous avons aller dans New York. Côté que sélection jury qui va faire partie pour qui va faire partie pour ces ou qui va assister pour ces contre ancien président Donald Trump. Et sélection membre jury ça a complété. Donc tout membre jury sous place et nous gagnons tout sous place. Valérie Saint-Luc qui dit nous déjà, Valérie, gagnez un bon procès qui a dû commencer lundi qui a venu là. Pas vrai? Bonjour. Tout à fait. Bonsoir Jean-Robert, c'est ça. Et c'est effectivement, jeudi à 5e jour, que l'ancien président Donald Trump a marché dans le tribunal. Et jeudi à, processus joigne 12 membres juriens, il est arrivé à compléter. Bien qu'il y a continué, il y a continué avec le processus. Ça, puis il joigne 6 autres membres qui ont même là en réserve, nous dit. Mais jeudi à, il est arrivé à boucler le processus. Là. Donc, le juge qui lui-même a mené le jugement, justement, c'est le juge Marken qui dit que, déjà lundi, la paix attend à ce que yo l'ouvri jugement, qui veut dire que l'ancien président Donald Trump a venu fois ça pour juger devant 12 membres jurys. Ça qui est arrivé juin, nous a dit tout. C'est pas sans difficulté parce que yo fait plusieurs fois, yo essayé, c'est toute semaine ça, yo tape cherché, yo tape essayé de joindre 12 membres jurys. Et genan yo quitté d'abord, yo t'est arrivé sélectionné, et puis après, juste après, yo t'est obligé à l'école. Et juge lui-même t'a dit que moun sa yo, il semble yo pas trop capable de continuer dans le processus. Donc, c'est comme ça, ça y est pour aujourd'hui. Et déjà, semaine prochaine, je pense que l'ancien président Donald Trump va venir pour le juger. Mais pendant ce temps, il a quand même fait des déclarations, comme il a habitué faire. Pendant la rentrée aujourd'hui, dans le tribunal, il a fait des déclarations, dit que il n'a pas senti que c'est un bagage qui trop faire, j'en ai dit en anglais, côté que il a empêché de mettre un babouquet sous lui, côté que le pas capable, puisque nous connaissons, juge lui-même, juge Merchen, a dit que il a mis un babouquet, il a même mis un amende de $3,000 sous lui, côté que s'il parlait, s'il montait sur les réseaux sociaux pour parler, soit de jury, soit de monde qui est même à travail dans le CASA, il est capable, eh ben, justement, de mettre un amende sous lui. Il dit que ce n'est pas faire, puisque lui-même tout, il a la loi à la bouche, il a parlé, j'en ai. Donc, c'est ça que je dit comme déclaration. Mais Jean-Aubert, c'est quand même, et puisque nous là, nous sommes sur place, pour nous suivre le jugement historique, ça, contre l'ancien président américain. Il faut nous dire tout, Jean-Aubert, un incident qui passait pas trop loin. Oui, nous n'avons pas eu d'incident, ça, parce qu'en principe, nous considérons les conditions de sécurité. Et si dans le processus pour seulement choisir, sélectionner, même jury, nous avons une sécurité à élevé, et les poussées ont commencé lui-même. Et qui j'en fait, et M. Sa lui-même, lui avait mis du feu sur lui malgré toutes les sécurités qu'il prend. Et ça fait pratiquement tout le tribunal là. Tout près du tribunal là, à quelques mètres de côté, moi, campé là, et derrière dans ce tribunal là, donc, il a sécurisé périmètre. C'est M. Max Azzarello, c'est comme ça le relais, d'ailleurs, quelques minutes de ça, et plusieurs chefs de la police New York, là, NYPD, responsable officiel, ils ont été en conférence sur la presse, ils ont expliqué, ils ont identifié M. Sa, qui est Max Azzarello, qui mettait du feu sous tête, des images qui sont difficiles pour nous garder, mais c'est ça que lui fait comme peut-être façon pour protester. Ils n'ont pas connu ces agons relation exactement avec ça qui t'a passé en dedans du tribunal là, parce que c'était dans un moment, justement, côté que juge Merchen lui-même, t'a annoncé qu'il a bouclé le processus, puis il a joint 12 membres jurés.
et que semaine prochaine jugement va commencer. Donc messieurs officiels, messieurs dames officiels, la police écrit, décrit et incident, il dit que monsieur Max Azarello marchait sur une place pas trop loin du tribunal là pendant que le rivé est à proximité du tribunal là, juste en face du tribunal là, et ben il ouvrit un sac, dans sac là il était des flyers, des pamphlets que le voyant l'air, il a gâté et puis il est allé au bagage, enfin au canette d'après ça j'ai décrit là, il mettait, il vidait le soulier et apparemment c'était une solution flammable qui veut dire qu'après du feu, puis lui met du feu, mettait sous soulier, il enflammait tête lui. Il va mourir, nous allons pas dire s'il mourir ou bien s'il est en condition très critique dans moment là dans l'hôpital Cornell, il est rapidement mené là, mais il est vivant et mais vraiment il a été traité pour des brûlures au troisième degré, au cas comprendre que c'est quand même un incident qui justement le travail de sécurité tout à l'heure là, et ben immédiatement obligé évacuer, reconsidérer sécurité dans périmètre, nous agent et en secret service nous capable dire agent civil qui a marché, des hélicoptères qui t'a sillonné dans le ciel là et puis sécurité a été recommencé puis serré dans zone tribunal là. Jean-Aubert. Alors, et Valérie, avant d'aller, on nous dit que c'est Donald Trump quand même. Donc, on a une grosse couverture médiatique, si on a quand même dit internationale, même qui est présent dans le périmètre et le tribunal là. Tout à fait. Et c'est pas trop loin du périmètre tribunal là que justement, sous les yeux des caméras, que M. Max Azarello a fait action, ça que nous sommes décrits là, mettait du feu sous tête. Et médias, c'est fait quelqu'un dans la zone, c'est ça qui fait que sécurité, justement, est très serré, il a resserré le même. Mais au niveau médias, c'est tout partout, barricade, tout partout, aux alentours du périmètre tribunal là, parce que c'est quand même, Jean-Robert, on peut comprendre, un jugement historique, c'est la première fois qu'il a jugé, et non cas criminel encore, il a jugé un ancien président, et il s'agit justement de Donald Trump, Jean-Robert. Merci, Amil Valério. Donc, on va sous place, donc nous mettons déjà pour mettre tes spectateurs lundi, on va sous place et on va porter nous les derniers moments de commencement pour ça et qui j'en sais. Tout à fait. Passez un bon week-end, Valério. On a prêté branché sous, on a prêté dans l'actualité à ce plan international. Nous prêtons en Israël, nouvelle concernée Israël avec Iran. Et bien, l'armée israélienne a lancé quelques coups de mortier sous Iran, dans une ville, côté que une installation nucléaire. Iranien, mais médias iraniens ont rapporté, mais autorités prennent des dispositions, côté que ils augmentent le système et défensif, justement, pour contrecarrer l'attaque Israël à plan sûr. Et déjà fait qu'on ait le système, ça, limité à terre, ou bien encore, il détruit au moins 3 drones que Israël a lancé dans le cadre d'attaque, ça a été lancé et sorti dans la nuit de jeudi pour vendredi. Jacqueline Belizer. Malgré mise en garde Washington, Israël mène une attaque calibrée contre Iran jeudi vendredi avec réaction modérée Téhéran d'après plusieurs médias, surtout aux États-Unis. Agence nouvelle iranienne dit 3 explosions n'ont pas fait dégâts et tout bagaille semble en forme, même des monde qui fait rassemblement dans le jour congé ça, dans côté explosion est arrivé. Pendant toute semaine, nan, Israël a fait connaître, l'a fait Iran payer pour attaque qui a fait week-end passé sur territoire État hébreu. Nouveau développement ça a poussé analyse quoi capable gagner yon escalade violence dans région Moyen-Orient. La voix de l'Amérique est entrée en contact rapide avec porte-parole l'armée Israël là, l'élite joue une nouvelle là, mais li pas de faire commentaire dans moment ça. Ministre affaires étrangères italien Antonio Tajani qui a recevoir sommet G7 ministre affaires étrangères dans Capri en Italie dit Israël t'est informé États-Unis non dernière minute. Israël t'a informé États-Unis dans dernier moment avant attaque là, mais États-Unis pas participer là-dedans. Ministre affaires étrangères italien pas de bail plus détail. Pendant un point de presse toujours dans cadre sommet G7 là dans Capri, secrétaire d'État américain Anthony Blinken t'a refusé répondre question sous explosion yo en Iran que yo présenté comme un acte représailles Israël. Il a affirmé États-Unis pas impliqué dans aucune opération offensive. The United States has not been involved. Mon papa fait commentaire sur événement qui sorti dans média. États-Unis pas participer dans aucune opération offensive. Ça me dit nous c'est que n'a concentré nous sur ça G7 là a concentré n'a pris ça dans déclaration nous dans conversation nous. C'est job nous pour nous désamorcer tension yo. Vraiment vrai gagner une tension qui a monté 17 hauteur depuis attaque Iran sur Israël semaine passée et communauté internationale là gagne la pérèse pour violence là pas escalader dans région Moyen-Orient. Et c'est comme ça que la communauté internationale a lancé un appel pour demander belligérants mettre de l'eau dans du vin après offensive qui semblait attaque représailles Israël contre Iran dans une ambiance qui déjà surchauffé dans la région Moyen-Orient depuis guerre Israël Hamas là qui l'a depuis 6 mois et qui déjà fait plus passer 34 000 morts dans Gaza d'après dernier rapport ministère santé palestinien que Hamas a dirigé. Cependant, il y a un spécialiste qui fait comprendre que deux parties mesuré attaque. Offensive Iran par exemple semaine dernière t'es visé une plateforme, une base aérienne qui là pour lancer missiles, pendant que Israël lui-même fait attention pour ne pas toucher position nucléaire important Iran yo dans une base militaire dans Kajavaristan dans la province Isfahan. Là aussi bon côté pas demander pays dans zone priorité loin conflit Israël Hamas Iran pour éviter vraiment vrai que violence pas escalader dans région Moyen-Orient. Jacques Lemelizer, VOA Creole.
Merci Jacques Elisère. On a retourné ici aux États-Unis pour aller à New York. Côté États-Unis, vite, il demande et autorité palestinienne de faire plus de membres permanents organisation internationale là. On va jeter Marie-Pierre pour les détails. The result of the vote is as follows. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. D'après opinion États-Unis, chemin qui est rapide dans direction pour Palestine d'avoir une tournée yo état, c'est à travers une négociation directe entre Israël et autorité palestinienne, à support États-Unis à Claude Patner, d'après ambassadeur adjoint des Nations Unies Robert Wood. L'été exprimé tout inquiétude li concernant question qui pas qu'on résoudre pour qu'on si oui ou non palestinien au satisfait critères qui nécessaire pour être considéré comme un état. Nous demandons autorité palestinienne depuis longtemps pour l'entreprendre réforme qui nécessaire pour aider établir sa ou gagner dans préparation pour une tournée un état et puis songer que Hamas une organisation terroriste connue à exercer pouvoir la influence dans Gaza une partie intégrale dans état que yo envisagé dans résolution ça. 12 famille 15 membres conseil là t'es voté en faveur l'idée alors que grande Bretagne avec la Suisse t'es abstenu. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Nous parlons pays d'Haïti, côté Negame mené deux opérations dans deux commissariats dans nos quartiers ou dans toute la capitale à Port-au-Prince. Mathieu de Guiné, plus détail. Sept personnes mortes et plusieurs autres sont blessées dans une attaque de groupe civil américain dans la communauté, localité Rouané 93, hier jeudi 18 avril 2024. Dans le même chemin, les bandits sont rentrés dans le commissariat commun, ils ont relâché Omega, ils ont pillé et libéré quelques détenus qui étaient fermés dans le garde à vue commissariat. Point, déclaration porte-parole syndicat national policier haïtien Lionel Lazare. Donc elle fait connaître ce groupe civil armé qui vient d'entrer puis Chris là, membres vivent ensemble qui commettent des actes là. Et pour jeudi vendredi, activité a fonctionné timidement. Pas de aucune école qui l'ouvre dans la commune. Banque et commerce restent à porte fermée. Moun pas remarqué toute présence de la police dans l'arrière. Et pour ça qui vient pour être mis en place conseil présidentiel transition, quelques citoyens disent pas ouais intérêt dans des machines là. Pas de conseil d'après blanc rien là. Même si il y a une installation conseil là, des positions au contraire sous les temps l'État supposé prendre pour commencer un changement dans la société. On est militaire national, là je parle bien là-haut. Depuis que ça pour installer, petit jour balé, balé 15 jours. 15 jours pour se poster à la rentrée. Si on va faire poster national là, c'est possible. Nous-mêmes militaires pour ces cas, nous allons toucher trois têtes de l'Ouest, même pas d'aller au contraire, nous allons tenir le bataille encore, parce que nous prenons qui ça l'extérieur de ce pays. Pendant, responsable Front National Organisation pour Haïti qui est stable et démocratique pour nous, à comité interne 100% diaspora Haïti, dit à continuer à camper le conseil présidentiel transition. Responsable Strix Sicilayo a annoncé des journées manifestations contre l'installation dans le conseil là. Ça, nous-mêmes, nous comptons ça pour nous et ça pour nous dans l'autre sécurité. Mardi, mercredi, mardi 23, mercredi 24 avril, dans aucune chaîne de mobilisation pour continuer à dire non à projet CAICOM, pour nous dire non à conseil CAICOM, pour nous dire conseil CAICOM, CAICOM n'est pas bienvenu. Et n'est pas bienvenu parce qu'il n'a pas de légitimité, il n'a pas un lien de légalité et il n'a pas un lien comme représentativité. Toutefois, nous constatons qu'il y a un combat de nettoyage pour arriver au constamment depuis hier jeudi 18 avril là, dans le périmètre palais national. Alors que les coups de balle continuent à chanter dans la zone. Les militants politiques sont blessés après de se voir. Ils ont balle perdu sous champ de masse là. Et pour Port-au-Prince, moi c'est Massa de Vilmé, pour voir Créole. Toujours dans la capitale haïtienne à Port-au-Prince, il y a un compte déroulé entre le présentant conseil présidentiel de transition avec le gouvernement intérimaire. Justement pour planifier dans ça qui semblait installation des conseils présidentiels là. Nous allons joindre pour la question ça Emmanuel pour plus de détails. Même conseil présidentiel transition organisé jeudi 18 avril 2024 là dans villa d'accueil première réunion travail en présence premier ministre haïtien Michel Patrick Boisvert à directeur général police nationale haïtienne France LB dans mitan discussion yo restauration sécurité nationale là à planification installation même conseiller présidentiel yo un conseiller présidentiel qui a participé dans rencontre là souligné les importants pour rétablir sécurité notamment pour même conseil là et pour assurer un environnement calme pendant prise fonction yo dans palais national pendant que aucune date pour fixer pour installation il y a un représentant dans conseil présidentiel là qui fait qu'on est ça va concrétiser des semaines prochaines il y a une rencontre entre commission passation pouvoir gouvernement et même conseil présidentiel là prévoit dans l'idée pour préparer transition et évaluer situation sécurité pays police nationale d'Haïti à travers directeur général là va garantir toute disposition pour prendre pour capable faciliter bon déroulement événement. Rencontre ça, qui marquait également première interaction officielle entre Premier ministre haïtien Michel Patrick Boisvert et directeur général police nationale haïtien déroulée dans une atmosphère cordialité selon déclaration d'un conseiller présidentiel. Haïti a fait face à une crise profonde
depuis plus passé un mois avec un capital qui quasiment isolé, l'école fermée, commissariat incendié avec l'hôpital qui dysfonctionnel. Dans le contexte, l'urgence pour trouver solution à problème ça, c'est une obligation. Moi c'est Emmanuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Communauté haïtienne en Miami avec un photo d'aide divisé sous conseil de transition. Ça, on va venir de Saint-Ville pour plus de détails. Majorité moun nous parler à qui ont montré on va pas être trop important ça conseil présidentiel transition. En pile là-dedans, penché sous Bogi Philippe, ancien sénateur élu de Danslan, il estime qu'il gagne plus capacité pour répondre à défi Haïti à faire face là spécialement dans le domaine insécurité. La dernière catégorie d'ici pays à table plus proche constitution, je t'ai préféré plutôt choix pour cassation. Moi-même capable de bien dans sans hypocrite par là-dedans. M'a pas besoin qu'on ait Jean JPP Jean sorti moi-même Jean sorti moi-même yo mettre couper tête mon côté m'a parlé à moi-même quoi. C'est le conseil CARICOM sous côté et puis qui Philippe pour nous pousser pour lui mettre là-bas. Parce que s'il pourrait pour le bataille pour payer l'idou la mort la vie yo mettre tuer c'est pour payer les vignes la défendre en bagaille ça c'est ça. Sans qui Philippe pas bien. Colonel Isaac qui m'a arrêté ensemble. Si je te souhaite que comprendre, ça y a fait, je te pensé avec famille demain, je te pense à tête, avec madame, petit peu, madame Jamadé. Dans la position ça. Le ramasse tout le monde, coupe avec ça. Tu restes qui était à vingt points. Pour moi-même, je m'en prends pour l'autre. Qui te met mes choix, même pas avec personne. C'est tout ça. Parce que moi, je suis en conviction, son monde qui voulait voler le pays, qui voulait mener le pays. Problème qui est à pousser là, parce qu'il n'est pas révélé, il n'est pas reflété. Et maman loi pays nous. Parce que dans maman loi pays nous, que ce soit constitution amendée ou pas, il n'y a pas prévoir à ce que nous gagnions 9 personnes. Mais, Koulia, s'il était sorti dans cassation, ça peut être il a reflété quelque chose parce que cassation fait partie du pouvoir nous, du 4 pouvoirs. Même si opinion est différente, haïtien ça a demandé pour tout acteur politique qui mette tête ensemble, dans l'idée pour capable de joindre une solution. Cap permettre Haïti sortir dans situation difficile li trouver le jour et jeudi. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Créole. Et puis toujours en Haïti, une coalition syndicat transport en commun, une force syndicale pour sauver Haïti, et bien demandé pour moi étudier pour chaque conseil à contrôler le ministère. Dans le moment, même conseil présidentiel a commencé à parler avec l'équipe gouvernementale démissionnée Ariel Henry avec DGPNH. France LB sous question qui a un rapport à rétablissement sécurité qui doit aboutir à l'installation du collège présidentiel. Un dirigeant organisation syndicale, Jacques Anderson Desroches, qui se porte-parole force syndicale pour sauver Haïti Fossa, exhorter nouvelle équipe SAR. Pour qu'un y ait un portefeuille ministériel qui permette d'aborder plus bien les problèmes sociopolitiques et économiques dans le pays d'Haïti. Ce qui est fondamental, c'est que si M. Sahib arrive dans le conseil, il n'y a aucune responsabilité que contrôler les décisions qu'il a prises avec le gouvernement, avec le ministre, mais il y a un peu passif. Je dis, il faut responsabiliser tout ça. Si M. Sahib arrive dans le conseil, il y a un portefeuille ministériel, donc au moins il y a un bon job pour le faire. Il y a un bon job pour le sauver. Quand il y a un problème de sécurité, si le ministre ne va pas aller dans la police, c'est une petite place de si le ministre de qualification ne va pas aller dans lui-même, le ministre. Du système dans les États lui-même. Et je dis, le conseil n'a pas choisi le ministre. Le conseil n'a pas l'outil. J'ai la constitution du président lui-même. Le conseil a voté à distance, l'un des chefs qui a changé le monde. Je dis, à son occasion, un autre pays. Tout acteur, par la jeune mettre ensemble, décide de mourir dans le seul doute. Jacques Anderson de Roche, quoi, c'est à une opportunité en or, pays d'Haïti gagné, à conseil présidentiel transition. Ça veut dire que le chef, tout le chef, partagé. Chef, partagé. Mais si on réussit, il n'y a plus de place politique à réussir. Je dis, aujourd'hui, je viens bien. Vous dites Mondana, vous dites Petit Bessaline, vous dites Famille Lavalas, vous dites Apparaître de Décembre, vous dites Sauté Civil, vous dites Secret Privé. Vous allez vous payer le tout compartiment dans sa cafette là. Donc, maintenant, alors que nous passons, oui, il y a une solution, oui. Et certainement, on tira se rapprocher de la Constitution. Mais nous, la Constitution, pas bien longtemps. Rapprocher de la Constitution. Mais là, c'est la solution participative. Par contre, c'est clair. C'est une solution participative. Tout le monde met la même. C'est un dossier à suivre. Oui, non, tout ça. Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Qui rôle électeur américain ou citoyen américain qui vivent dans le territoire d'outre-mer États-Unis dans l'élection présidentielle ou l'élection générale? Nous allons le maire capoter plus d'explications pour nous.
territoire américain tant que Samoa, Guam, îles Vierges avec Porto Rico pas capable voter dans élection présidentielle États-Unis dans mois de novembre nan. Cependant, yo capable voter dans élection primaire à caucus yo pendant processus nomination candidat yo. So if you live in a US territory such as Puerto Rico, il dit donc si vous habitez dans un territoire américain tant que Porto Rico pour élection générale dans mois de novembre nan, ou capable voter pour un monde qui pral un membre congrès qui pas gain droit voter. C'est même bagage nous gagner dans district Colombie, yo rele moun sa yo délégué. Donc yo ka gain siège dans commission, yo ka participer dans débat, mais yo pas gain une voix en ce qui concerne adoption loi États-Unis. Journaliste Associated Press Stephen Olmacher dit tandis que citoyens qui habitent dans territoire sa yo pas qu'à voter dans élection présidentielle, candidat yo gain plusieurs raisons qui fait yo vle appui moun sa yo. Well, the parties wanna be popular in the territories in large part because if you are a resident of US territory you can move to the United States. Il dit mais parti au terrain mais populaire dans territoire ça en large partie parce que si vous êtes un résident dans territoire américain ou cal vivre aux États-Unis ou pas besoin passeport ou pas besoin visa ou c'est un citoyen américain et là où elle vivre aux États-Unis ou qu'à voter. Donc si vous voulez populaire Porto Rico c'est parce que il y a un pile monde Porto Rico qui habite aux États-Unis qui peut voter dans élection novembre là. Donc parti vous voulez assurer il y a une connexion à monde qui habitait sous territoire. Il y a des parents qui vivent aux États-Unis et au même tout, il y a qui vivent aux États-Unis. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nouvelle sur les dans Washington avec Sergio Rodriguez et puis dans Floride, Judy Ronsky. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Creole. Côté nous parler de Shakira qui parle dans une tournée mondiale qui a commencé aux États-Unis dans fin année ça en baptiste Las Mujeres No Lloran. Nous allons parler tout de Taylor Swift qui lance un nouveau album jeudi vendredi, même en baptiste Tortured Poet Department. Superstar d'origine colombienne, Shakira a annoncé qu'il va entamer un nouveau tournée mondial en 20 longtemps. Pendant une apparition sans attendre, il fait un festival de musique Coachella dans la ville Indio et à Californie, ça n'a pas longtemps. Super vedette musique 47 ans, a débarqué tout d'un coup dans le festival là pendant DJ Argentin Bizarre Rap, a évolué sous scène Sahara à côté de tous les deux, a exécuté nouveau Titiwa en parlant de la fuerte. Tournée mondiale Las Mujeres de Jordan Shakira pour attendre ici aux États-Unis dans fin année 2024. Ça. Nouvelle souveraine de tout apprendre que superstar musique américaine Taylor Swift by Fanatic Rio yon gros aucun surprise dans la première heure jeudi vendredi 19 avril là, à publication d'un nouveau CD qui peut être titre de Tortured Poets Department. D'après sa superstar l'a dit sous question album, n'a gagné la dernière chanté qui a un rapport avec chagrin d'amour pendant une époque qui était représentée une période triste dans la ville. C'est 11e album studio qui gagne 16 morceaux sur lui et que l'idée de la guerre sous béton à minuit sonnant jeudi vendredi. Mais seulement quelques temps après, il dit qu'il a un deuxième album qui a 15 titres là-dedans lui-même. Taylor Swift écrit sur compte Instagram, lui, moi tellement composé musique dans deux ans passés, comme tu voulais partager avec nous. L'album pour être là est venu 18 mois après publication Midnight. Superstar l'a publié tout, une vidéo pour premier single lui, sur nouveau album. Côté lui fait une collaboration ou bien un featuring avec Post Malone en parlant de morceau Fortnite. Là. En tout cas, c'est comme ça Taylor Swift l'a parole là dans l'aria, même jeudi vendredi. Taylor Swift a fait parler de lui pendant un certain temps, parce que lui portait gros succès dans divers genres musicaux aux États-Unis, un bagage qui permet de faire l'économie locale, une belle bourrade. Nous devons préciser que Time Magazine désire Manzé comme personne de l'année pour l'année 2023, à cause d'accomplissement lié dans l'industrie musicale, à influence qui gagne dans la culture populaire aux États-Unis, mettait avec démarche pour encourager les gens inscrits pour y aller voter. Et qu'on est à un moment arrivé pour nous passer comme nous avons juste de Ronsay Givalba dans nos nouvelles sur Echemaïla, dans Miami. Musicien groupe musical New Doré te bay une conférence pour la presse vendredi passé dans Pompano Beach en Floride pour annoncer premier album yo qui porte nom Perfection. Nous te parlé avec chanteur jazz Vladimir Miriska alias Vladenjoy qui expliqué origine non jazz avec nouveau sidia. New Doré c'est deux premières notes musique qui c'est do ré. Là dit New Doré qui veut dire que nous c'est deux premières notes musique. So, c'est ça que définition New Doré en gros. Album a cette musique parce que c'est ça que fait album dans les Perfection. Le chiffre 7, c'est la perfection. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Edras Edouard, alias Drasso, qui c'est ancien maestro disciple de Gazman Couleur, ancien bassiste zinglin, ancien musicien du groupe Équipe de Chaba, annoncé dans Micrové ou à Creole que lui décidé pour lui retirer l'école dans business musique haïtienne. Pas je compare, il me connaît l'histoire d'un petit genre du, mais son choix que me fait pour ne pas afficher ma aucun jazz. Ok, je ne pas afficher ma aucun jazz. Sans pour autant, je suis toujours porté à port, moi, mais. Retenons jazz pour me dire bon c'est maestro tel jazz ou bien me fait c'est bassiste tel jazz. Non. J'ai un album qui va sortir, c'est album évangélique pour me remercier Dieu pour la vie que l'album. So ma sorti premier album moi évangélique. Pour toute nouvelle sur musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est juste de Onseré pour VOA Creole. L'autre information que nous porter pour et bien c'est sous dossier Conseil présidentiel transition et bien qui toujours
marcher en forme nous pas connait qui forme marche la baille là parce que conseil ici la semaine là qui déjà passé pendant hier il était supposé installer et bien ça pas de temps fait pourquoi il est là installation conseil présidentiel là et bien il t'a dû fait là dans semaine qui vient là après les nouvelles listes les même il fait connait c'est un contact et bien dans conseil là qui révélé information ça qui bail journal les nouvelles selon ça il posté et bien sans lui pas préciser aucune date exacte mais en attendant et bien un gros travail nettoyage qui a fait dans zone chan là et bien depuis quelques jours là tout préparé national c'est pendant responsable la mairie qui sous place eux-même fait connait travail ça eux-même yo pas gain rien pour avec préparation pour installation conseil présidentiel qui en pile monde eux-même yo fait connait qui pas une solution et bien pour pays on a tout et bien par raison les mêmes qui parlent par raison parler n'a bien pour nous avec le pied devant dans journal c'est là côté monsieur qui c'est chef parler et bien les mêmes li pas nous parler dans département la Tibonite là pour nous faut qu'on ait Denis Tanisma et bien Dinaon les mêmes messieurs mourir assassiné en babal moun yo pas arrivé identifié et bien matin bien bonné là qui c'est samedi 20 avril 2024 la veille inédit matin et bien dans Riel Senine zone 4 dans gros naïf département la Tibonite et bien c'est sous cabane l'hôpital les mêmes là rendre dernier souffle après il était fini recevoir plusieurs balles pour il la bataille yo même moun pour qu'on ait qui j'en a fini dans dossier insécurité a passé tout côté c'est gros attaque qu'a fait na ville Gounaïf jeune garçon c'est là lui-même il perdit la ville après il était fini recevoir plusieurs balles et bien sous cabane l'hôpital il t'a pas rendre dernier souffle dans Gounaïf de l'autre côté et bien faut connait dans dossier qui vient pour avec dossier et bien conseil présidentiel là et bien notre sorti là par bon côté Vladimir par raison lui-même qui signe en bas notre là qui prend la rue et bien il fait connait que il interdit pour aucun monde ou bien sous bataillon invité spécial ou bien tout ou même ou pas ta fait partie monde qui travaille dans palais national ou pas gain droit rentrer en dedans qui donc si ou ta croiseau en dedans palais et bien ou capable joindre avec pau c'est ça Vladimir par raison lui-même qui fait partie sécurité conseil présidentiel là et bien li mette note ti là d'ailleurs côté li signer en balle qui donc ou pas capable pile parler est-ce que c'est pour installation capable fait est-ce que c'est pour moun pas ta faire route dans anda ça et bien nous pas connait mais c'est note ti là lui-même qui sorti pendant jour ça là et bien pile moun fait connait conseil là lui-même li ta supposé te parler depuis hier qui te fait et bien te fait connait conseil là lui-même li ta supposé installer dans palais national semaine qui vient là et bien des gars qui même déjà te gagne convocation qui te lancé pour jeudi samedi qui c'est 20 avril 2024 là jusqu'à nouvel ordre avec ISP et puis Katim ni même unité qui gère sécurité rapproché président république pourquoi il est là rien pour que j'aime qu'a fait dans dossier conseil là et Vladimir par raison lui-même li signe lettre côté de mettre note de yo et bien pour pas t'appeler dans zone qui gain pour avec palais national nous pral sur l'échelle internationale n'a faut qu'on est pays la Chine lui-même li prend décision et décision la Chine prend pas trop longtemps n'a faut qu'on est tout Elon Musk en pile monde connaît qui grand pile bagaille qui pour sous internet là c'est tout ça qui gain pour avec dossier crypto en pile de de Elon Musk et bien Elon Musk lui-même il était parlé bien rapide après États-Unis nous connaît qui était gros parler en pile qui t'a fait pour t'a bloquer Twitter dans zone si là et bien technologie missile même qui Elon Musk qui c'est un sud-africain canadien et puis américain qui c'est PDG SpaceX et bien DG tout Tesla et mes propriétés Twitter qui est le X pour elle là déclaré hier vendredi 19 avril 2024 là li croit que TikTok patadoui interdit dans pays États-Unis même si yo même yon interdiction kon sa ta ka bénéfice pour plateforme par là les même ni gen le Twitter et bien c'est ça les même li dit et bien c'est contre avec liberté expression c'est pas ça Amérique vle dit mais milliardaire li même li té ajouté dans dossier qui gen pour avec dossier ça et bien la Chine li même qui continue tout qui le fait pays là l'autre gens pays la Chine prend décision hier vendredi 19 avril 2024 là pour ta retirer sous App Store wa, et puis suspendre utiliser application WhatsApp signal avec Telegram selon sa autorité chinoise yo même yo fait connait application sa yo même yo constitue en pile nan menace pour sécurité pays a n'a rappelou Joe Biden li même li te vle bloquer TikTok aux États-Unis pour même raison la Chine li même li révoquer yo là pourquoi il est là et ben monde là c'est de temps en temps nous t'a déjà bagaille yo même yo continue y a marcher là côté pas gagné qui pral aller qui trop bien dans dossier sa yo
ensemble et bien ministre affaires étrangères pays G7 eux-mêmes qui étaient réunis dans Italie hier qui était vendredi 19 avril 2024 là et bien sous situation catastrophique qui a passé dans pays d'Haïti là et bien pays G7 eux ont annoncé que y aurait itéré engagement yo envers pays Dessalines dans les mêmes G7 encouragé renforcement aide humanitaire et puis déploiement bien rapide plus vite que possible force mission multinationale là qui gagne pour mission mettre la paix et puis restaurer sécurité en Haïti et puis pour élection eux-mêmes yo capable faire démocratiquement et bien libre mais pour elle là dossier conseil là les mêmes qui t'a doué venir avec force là et bien li toujours à marcher camper là parce que pour gagner qui clair et yo déjà fait qu'on gagne membre qui pas Haïti qui va l'installer nous pour connait. Nous va aller tout dans dossier qui gien pour avec pays africain. Nous va aller selon réseau sécurité aérien qui gien mission pour veiller sur trafic dans tout monde là et bien hélicoptère qui tombé avant hier qui était jeudi 18 avril 2024 là dans pays Kenya et bien qui touyé général l'armée Kenya qui c'est Francis Ogola et bien avec 9 autres soldats et bien que c'est quième fois hélicoptère ou bien nous dit c'est quième hélicoptère et bien force défense pays Kenya yo même qui gen non yo qui c'est KDF et bien gen qui tombé dans une seule année donc pour un an là t'as déjà gen 5 hélicoptères dans force ça yo qui tombé et après pour force ça c'est yo même qui là pour ta vin assurer sécurité mission d'Haïti est-ce que hélicoptère a venir pour les tomber comme ça tout nous pour là mais c'est ça yo même yo fait connait ce 5e hélicoptère Kenya qui tombé côté qui quitter la vie force là mais yo a té côté monsieur pas levé plus 9 l'autre monde qui était là dedans qui c'est soldat tout et bien qui perdit la vie tout dans pays africain et bien c'est ben ça force là mais aérien nya meya li même li mandé attaché défense là mais américain pour eux même suspend immédiatement activité que eux même yo gagné avec divers soldats américains dans une base aérienne pays Tchad li même qui c'est conseil puisque américain yo même yo pas capable bay aucun document qui justifie présence yo dans espace si la situation si la même qui éclaté mais c'était depuis jeudi 18 avril 2024 là c'était en pile débat sous divers réseaux dans pays Tchad pourquoi de là yo mandé pour américain là c'est botre Tchad pas seulement pays cap mandé pour américain yo même yo ta là c'est botre quitter pays si là on a faut connait lui même Niger lui même qui c'est un pays africain tout et bien semaine ça Niger yo même yo mandé avec toute troupe américain qui ont environ passé 1000 soldats et pour eux même yo quitter pays là et ben ça cap mettre fin dans rôle yo même yo te joué dans bataille contre groupe islamiste yo et bien hier vendredi qui s'est passé à la 19 avril 2024 là États-Unis annoncé que les mêmes li d'accord pour fermer base drone li avec troupe que les mêmes li te gagné tout près à garder et bien dans désert Sahara actuel dirigeant pays Afrique de l'Ouest là lui-même l'a cherché plus relations diplomatiques avec là aussi depuis après yo même yo te fin prend pouvoir dans un coup d'état que yo te bay année passée dans pays Niger pourquoi là pile pays y a couru avec dossier américain yo même yo presque pas travin trop les ouais là dans dossier qui gain pour avec dossier géré pays yo mais yo campé fem côté yo parler américain mais américain yo t'a pral d'accord après Niger plusieurs fois Niger mandé pour quitter pays là et ben voilà ça ministre américain yo annoncé que yo d'accord pour fermer base yo dans pays ici là dans Port-au-Prince et bien dans dossier qui gien pour avec dossier attaque Kenega examen yo même yo te fait dans commune Kafoua et bien dans attaque ça yo même yo te mené dans Port-au-Prince côté yo te fermé sous commissariat Kafou qui le Omega qui te passé avant hier jeudi 18 avril 2024 là et bien c'est l'information que nous joignent et bien yo assassiné 5 citoyens parmi eux yo même un policier 26e promotion qui te fait partie la police là et bien ici arrivé joindre la molle situation ça yo même yo produit selon source nous gagné et bien c'était tout de suite après responsable commissariat lui même qui était commune Kafou mercredi qui était passé à la pour seulement yon l'année 2024 là et ben en Haïti bandi fusillé 11 policiers déjà perdu la vie ouais là bagay yo continue à paraître compliqué dans dossier qui gien pour avec dossier sécurité dans pays d'Haïti autorité dominicaine yo arrêté 72 immigrants sans papier dans un hôtel qui trouvé dans Elias Piña République Dominicaine qui c'est une ville frontalière tout qui gien marché qui en pile haïtien toujours on a acheté dans opération tap mené corps spécialisé République Dominicaine qui sous frontière avec terrestre yo même qui relaissé fond et ben avec ministre
public dominicain yo fait connait hier vendredi 19 avril 2024 là yo arrêté 72 migrants haïtiens sans papier selon ça journal Stendhal yo lui-même li fait connait ressortissant ça yo té utilisé hôtel qui relie Iraka et ben qui chita col dans zone Elias Pina République Dominicaine pour yo même yo té caché d'après ça journal dominicain révélé opération ça yo té commencé fait depuis jeudi qui était 18 avril 2024 qui s'est passé là et ben côté yo rivé hôtel Erika ça et ben haïtien sans papier yo même c'est la même que yo même yo habitué caché pendant temps ça yo fait quoi 72 haïtien ça yo arrêté yo pour kounya là dans moment ça yo nan men autorité yo dans direction générale immigration qui est le DGM en République Dominicaine pour capable faire responsabilité yo ces fonds et ben a continuer gros travail patrouille avec renseignement dans respect règle ministère défense lieutenant qui gagne en tête li qui c'est Carlos Luciano Diaz Molfa et ben qui tabli l'autre ça et ben c'est parole qui écrit dans communiqué yo même yo te publié dans circonstances là dans journal Stendhal yo qui mentionné tout que tout ça yo a fait c'est pour capable fini avec activité illégale qui gagne dans tout raccoin frontière et ben dans avantage citoyen dominicain c'est ça yo fait qu'on immédiatement yo mettre la patte sous nous et ben yo tout fait qu'on est tout et nous c'est un danger pour yo et ben c'est ça yo continuer à chercher nous tout côté pour marrer nous et ben déporter nous la caille nous pour n'al bay problème la caille nous mais c'est pas la caille en République Dominicaine dans dossier qui gagne pour avec pays les États-Unis qui en pile parlant pile a fait qu'on est que les bœuf pays ici là yo même yo ta contaminé ben OMS fait qu'on qu'elle découvrit un virus grippe et bien dans les bœuf ça yo côté organisation mondiale santé y a que OMS et bien yo fait qu'on est hier vendredi 19 avril 2024 là qu'elle détecté dans les bœuf dans pays États-Unis un virus grippe et bien qui relé AVH5N et bien selon ça journal Stendhal yo lui-même li rapporté li important pour garantir pratique sécurité alimentaire particulièrement dans consommation produits lait qui traité yo selon parole chef programme OMS là qui c'est Jean et bien il fait dans cadre pour prévention contre grippe aviaire H5N1 et bien yo découvria et bien alors que organisation elle-même cap gérer santé dans monde là li dit la continuer surveiller puis près divers cas États-Unis yo rivé joine premier cas HS Nian, et bien c'était dans date 1er avril qui s'est passé à là, c'était Kay, yon fi kap travay nan koze felet nan zone Texas, et bien pourtant yon même yon dit premier transmission maladie sa li même li fait ant bef avec moun, et bien nan dernier moment sa yon la yon fait konen yon jwen epidemie sa souti Kay Joazou pour aller sous bœuf après ça les sortir dans bœuf là les mêmes pour aller infecter moun selon ça OMS yo même yo rapporté dans cadre recherche qui yo même yo fait et bien sous ça qui donc maladie grippe ça les mêmes les gain divers moyens nous capable prendre contrairement avec ça te connaît avant yo pour faire connait responsable programme dans les mêmes diplis au mondial santé avec collaboration avec organisation pour alimentation avec agriculture OMS et bien FAO yo même yo gen possibilité pour yo faire yon l'autre évaluation encore sous dossier grippe AIH5N1 et bien c'est inquiet mais ça ba nous encouragement pour nous surveiller yon nan pi gwo maladie yo et bien selon ça organisme là lui-même li ajouté dans article ça dans journal dominicain lui-même qui c'est Stendhal yo que lui-même li té écrit pour finir yo fait connait y a prêté veatif par rapport avec possibilité pour virus ça lui-même li pas évoluer et bien ça qui ca permettre li transmettre avec moun yo et bien c'est pour ça yo même yo invité pour l'autre pays yo collaborer avec yo dans façon ça et bien nous mandé avec tout pays pour yo rete vigilant signaler rapidement et bien éventuelle infection moun nou joine yo et bien partager avec nous séquence et puis donner pendant nous même n'a renforcer mesi bio sécurité nou yo nan exploitation
produits agricoles. Yo, c'est déclaration responsable là lui-même li fait dans dossier qui gen pour avec dossier virus ça qui yo fait trouver dans pays les États-Unis dans pays pas nous et bien bini yo même yo te fait connait côté dans un rapport qui yo te sorti à vendredi 19 avril 2024 la bio intégré Nations Unies en Haïti et bien que les bini yo te fait connait pour trois premiers mois ça yo là. Dans le pays d'Haïti, il y a 2 505 personnes qui jouent, qui mourent ou bien blessés dans la violence. Le pays a même fait face dans les derniers jours. D'après ça, il y a fait chiffre ça même qui augmenté et même par rapport avec chiffre qui était gagné dans 3 derniers mois, année 2023. Il y a fait de 53% par rapport avec 3 derniers mois. Pendant le premier trimestre, année 2024, la Bini déjà enregistré, il y a fait de 2 505 personnes qui mourent et puis qui blessés par balle après violence qui gagne rapport avec gang yo, eh bien yon augmentation qui plus passe 53% par rapport avec période avant octobre novembre décembre 2023. D'après ça yo même yo dit en plus yo révélé avec chiffre ça yo, eh bien yo jwenn 3 premiers mois année 2024 là, c'est période qui te gen plus violence, c'est tout là yo considéré avec commencement année 2022 qui te sort passé là. Yon l'autre côté yo fait quoi tout pour même temps ça, eh bien gen au moins 438 cas de kidnapping yo recensé pour département l'Ouest seulement avec la Tibonite. Dans ce sens, yo souligné tout département la Tibonite là, c'est une côté lui-même qui victime plus avec violence gang yo même dans diverses attaques yo fait contre population hein. Et bien pendant yo profiter tout yé moun semblier tout kidnapper plusieurs moun qui compte toujours à passer sur route. Et bien dans machine nèg ça yo même yo toujours là pour yo kidnapper ou prendre aller avec on a parlé de coucouat sans race mettre avec base gang rifle là même qui gagne en tête li, Lixon et là yon base qui était presque écrasé les la police était attaqué et puis tout yo même base là li reprend là. Mais c'est une base qui plus fragile dans département la Tibonite là qui continue à bail problème dans dernier jour ça yo là. L'autre information que nous pote pour toujours et bien n'a faut qu'on ait un appel pays là pour tiwi dans une vidéo virale qui t'a fait en pile par en pile sur internet là après le TV fait qu'on est capable mettre photo artiste Beijing lui-même qui gagne du avec Cadillac là qui gagne plusieurs années côté lui-même y a fait hit sur internet là. Nous pas connait si tiwi c'est baissé lui-même il t'a baissé parce que c'est un militant politique en pile monde connait tiwi et bien tiwi qui t'a pas rentrer tête li là et bien dans un problème pourquoi li là tiwi lui-même qui mandé Beijing avec Cadillac excuse public après des artistes lui-même il t'a fin voyer papier semblé bali pour l'aime li t'apparaît devant la justice en pile monde te déjà ouais dossier assemblé il était capable prendre la justice et bien rapide là et bien yo t'ai déjà voyé papier ba tiwi à travers cabinet maître Jean-Renel sénatiste Bedine avec toute Cadillac que même yo t'ai voyé en sommation bali jeudi samedi là qui c'est 20 avril 2024 là mais yo t'ai voyé ba tiwi et puis bali 24 heures de temps lui même pour le confirmer ou bien pour le renoncer avec tout ça lui même li t'a bio sous Bedine et bien bien rapide tiwi dans une vidéo qui t'a circulé sur réseaux sociaux et bien sans perdre de temps tiwi lui même li écrit une lettre voyé ba avocat et puis lui même li fait une vidéo tout pour présenter excuse li bay Beijing avec toute l'autre femme haïtienne côté li fait connait que c'est boss li même li t'a nèg yo prend pose vivant yo mais yo pas konn conséquence qui gagne est-ce que c'est par rapport li ou PM nan t'a supporter final il pas gagner pour le faire li ou c'est rentrer dans bagaille bon même l'autre arrivé dans bagaille afia qui doit pour prendre vidéo parler en pile pour que li la ti oui obligé nan mandé pardon faire vidéo bien rapide et bien voyer le dit c'était boss c'est pas bagay série qui t'a réglé et en pile bon confirmer que ti ou était gen relation vrai mais bagay yo parler dans janti ou il même li te vle yo pour finir pays Sénégal et ben a faut connait président sénégalais qui sont jeune garçon après premier sorti officiel li même li te fait à l'étranger dans pays Mauritanie et ben jour qui était 18 avril 2024 qui sont passé à la prise sénégalais les mêmes qui c'est Djamaï Faye et ben lui quitté Dakar matin samedi 20 avril 2024 là pour lui même l'Italie dans pays qui est le Gambia toujours en Afrique et ben dans cadre d'une visite travail avec amitié et ben, c'est deuxième voyage officiel président Faye lui même il fait à l'étranger tout de suite après lui même il était fin prend mandat dans pays Sénégal comme président pays ici là et bien pourquoi il est là qui déjà sous des voyages là nèg là même pouvoir mais c'est pour capable voyager parce que fait bon bagage dans dossier qui gain pour avec visiter l'autre pays à l'étranger.
Donc c'est là que nous mettons fin dans la vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification à mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.